Salut, on se retrouve sur Loup-garou en ligne et c'est mon tour. Un nouveau et un ancien. Enfin, un ancien. C'est Lien, je l'ai vu qu'une fois, il était loup-garou, il a pas parlé de la partie d'avant. Et Silange, elle est nouvelle, à ce que je sache, ou il est nouveau, je ne sais pas. Elle est nouvelle. Allez, jouez donc les loups-garous. Trouvez-vous une cible et accomplissez votre tâche. Donc là, par exemple, les loups-garous sont ont pas choisi rapidement. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais il y a moyen d'analyser ça. En fonction du comportement des joueurs, il y a des joueurs. Moi, je sais qu'en tant que loup-garou, si mon compagnon vote, je le suis par réflexe. Donc là, j'ai aucun moyen de savoir si jamais les loups-garous ont réussi à déterminer leur victime ou pas. Si jamais ils votent vite, on sait qu'ils ont réussi à trouver leur victime. Après, ils peuvent encore changer en cours de route, mais c'est un peu débile quand même. D'arriver à se mettre d'accord, puis de hop, ne plus se mettre d'accord. Alors, bah les amoureux sont morts. Et c'était tous les deux des villageois. Maître, il accuse tout le temps à tout le temps, tout le monde à tort et à travers. Et du coup, Dwin, il fait, je fais comme toi. C'est pas comme ça qu'on accueille les nouveaux, en effet. C'est-à-dire qu'il y a des loups-garous qui ont tué des nouveaux. Qui ont tué les nouveaux d'ailleurs. Non, si, Layandros, je le connaissais pas. On peut essayer de trouver sans def, hein. Ça change un peu, partie de loup-garou sans def. Sans dévot si on préfère. Tu aimes les nouveaux ou pas? Ouais, mais alors faut que tu votes, hein. Je retire mon vote. GG! Braze a suivi. Pourquoi? Comme ça au pif? Bon, alors j'ai glissé plus ou moins subtilement que j'étais Cupidon. Que je les avais rendus amoureux. Et Maître a compris. Oui, j'aurais pu être voyante aussi. Et les.
Les espionner, mais j'aurais pas pu espionner les deux. Bon. Personne n'est mort, donc la sorcière connaît probablement un innocent. Et donc maître des Ingduin. Soit, si vous croyez que c'est Dwin. Alors, on lui met la pression et on voit si elle nous dévoile quelque chose. Bon, je suppose que Maître et Brace Girl ne sont pas loups-garous parce qu'ils ont voté contre les Yandress et à leur place, moi, j'aurais pas fait ça. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils sont pas simples villageois, mais c'est ma façon de les mettre innocents, on va dire. Sinon, je pourrais les mettre petites filles. Bah, Dwin alors, pas moi. Isoino. Donc ce serait elle, la vraie villageoise. Pourquoi voter pour moi? Ouais, j'avais compris que Maître et Brace Girl, ils étaient inno. Mais eux, ils ont pas compris que je l'étais. J'ai cru que c'était. C'était clair que je mettais Devo Cupidon. Enfin, Devo. Je croyais que Maître, il avait deviné que j'étais Cupidon, mais finalement. Ah, Isoriel est revenue. Juste pour se recueillir sur ma tombe. Ah, le chaman est mort. Ouais, c'est ça, Braise était sorcière. Tu es Dwin ou Agathe, je pense. Ah, maître, il est peut-être voyante. Et il a dû voir Brace Girl et d'autres gens et pas moi. Maître serait simple villageois et Agathe chasseur. Ah, Isoriel est pas du tout AFK, elle parle juste pas. Il parle juste pas.
Alors, soit c'est vraiment ça, soit Israël est loup-garou et a bien deviné les rôles des gens. Mais le plus probable est que Israël soit voyante et qu'elle ait vu le rôle de maître et d'Agathe. Ce qu'il a du coup décidé à me tuer. Qu'est-ce qu'a écrit Alicia Ange? Je t'ai pas tué car je suis pas léger. Alors tu es quoi? Je suis moi. Et je dévoue pas. Alors en effet, ce mec c'est pas Edwin, c'est probablement Isoriel qui l'a dénoncé. Et Isoriel peut potentiellement dénoncer les gens. Mais alors il aurait fallu qu'il tombe juste sur le fait que Maître est simple villageois et que Agathe est chasseur. Et voilà. Bon, c'est triste pour moi, je me suis fait tuer. Bon, j'ai gagné quand même, mais je me suis fait tuer avant le dernier loup-garou. Si jamais ils avaient tué Dwin direct, je serais pas mort. Tant pis, tant pis.